Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la synchronisation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai préparé un petit morceau sur ma MPC. Et en fait, le but de la démonstration, ça va être de synchroniser Ableton Live en esclave. C'est-à-dire qu'en fait, je compose sur ma MPC 5000 et le Ableton Live en fait va obéir à ma MPC, c'est-à-dire que la MPC va être maître, Ableton va être esclave, et dans le délire, c'est-à-dire qu'en fait on va voir comment configurer la MPC 5000 en clavier de contrôle MIDI pour Ableton, mais aussi dès que je mets la lecture, comme là je viens de le faire, eh ben, c'est la MPC qui commande et non Ableton. Alors pour ça, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans les préférences au niveau d'Ableton, dans le mode MIDI 5 pour en ce qui concerne la MPC. Voilà, donc là on a les deux écrans. Donc la première chose à faire, il faut repérer sur quel port MIDI vous avez branché votre boîte à rythme MPC ou n'importe quel appareil hardware qui va marcher en MIDI clock ou en MIDI timecode. Donc là, voilà, vous avez un petit triangle, vous allez l'ouvrir et moi, ma MPC 5000 est branchée sur le FW1082 port 1. Donc, ce que j'ai fait au niveau des pistes pour voir si le port MIDI apparaît dans les pistes ici en dessous en gris, dans les pistes Ableton, il suffit de le mettre sur ON. Ce qui fait que quand vous allez venir ici, vous avez bien qui apparaît le port FW1082. D'accord ? Ensuite, si vous voulez utiliser Ableton soit en maître soit en esclave, enfin là ça sera en esclave, il faut mettre la synchro sur on pour que lorsque j'appuie sur la touche play ou la touche stop de ma MPC, la synchronisation MIDI se fait et le logiciel démarre en même temps que ma MPC. Ce qui fait qu'en fait le logiciel va avoir le même tempo, les mêmes repères temporel que la MPC, ce qui fait que si j'utilise que ce soit des synthétiseurs ou des effets VST, ils vont être automatiquement synchronisés au tempo de ma MPC. Donc déjà on va voir par rapport à l'écran de la MPC là les paramètres à mettre pour pouvoir l'utiliser comme clavier maître, parce que là j'ai mis le synthétiseur hybride, j'appuie sur mes touches de MPC, sur mes pads de MPC et vous voyez c'est bien, voilà, donc c'est bien la MPC qui contrôle déjà dans un premier temps en MIDI mon logiciel. Donc là vous mettez tout sur ON, même la télécommande. Vous refermez l'onglet. J'ai fait exactement la même chose, puisque moi, ça m'arrive aussi de faire travailler la MPC en esclave et le Ableton Live en maître. Donc, au niveau des sorties, j'ai fait la même chose pour avoir une communication bilatérale entre les deux. Donc ça, c'est au niveau... ça c'est au niveau d'Ableton. Donc au niveau de la MPC, pour pouvoir l'utiliser en clavier maître, recevoir les infos de channel, j'ai mis toutes. Softthrough, en fait ça c'est parce que sur mon entrée in j'ai un clavier maître. Sur l'entrée in de ma MPC, j'ai un clavier maître. Comme ça, les infos du clavier maître passent aussi par la MPC.
Programme MIDI Change, j'ai mis par track. Et enfin, est-ce que vous voulez entendre les sons internes de la MPC? J'ai mis oui pour pouvoir profiter de la puissance de la MPC. Ensuite, la synchronisation. Donc là, il faut se mettre sur l'onglet Synchro ici, donc appuyer sur F2. Vous avez une fenêtre qui se divise en deux. Donc d'un côté, vous avez la partie Synchro In et l'autre Synchro Out. Synchro In, vous la remplissez quand la MPC est en mode esclave. Synchro Out, quand la MPC est en mode maître. Donc pour ça, faut indiquer à la MPC, donc il suffit de se mettre sur l'onglet, il faut indiquer à la MPC quelle sortie MIDI va être maître. Donc là, ça va être la A. Il faut lui dire avec quel type de protocole il va discuter avec Ableton. Donc comme on a dit tout à l'heure, hop, on s'est mis en MIDI clock, donc je me mets en MIDI clock. Et ensuite, il faut activer les commandes MMC pour que start, stop, play, tout ça puisse fonctionner. Donc une fois que tout ça c'est fait, on revient à la page principale. Ici, je peux fermer mon onglet MIDI puisque tout a été fait. Et maintenant, on va tout simplement regarder. Donc si j'enlève le truc externe et que j'appuie sur le play de ma MPC, le son démarre, mais Ableton reste de marbre. Donc pour qu'il obéisse, il suffit simplement de l'activer. Vous appuyez sur externe. Et là, dès que vous allez faire play, vous allez voir notre indicateur de lecture va se mettre en marche. Et ici, vous allez avoir le play qui va s'allumer d'office. Voilà. Autre indicateur que la synchronisation s'est bien faite, quand je suis à l'arrêt, mon Ableton me met un tempo de 120. Dès que je vais mettre play, puisqu'il va prendre le tempo de la machine qui contrôle, ça va passer à 137. Et voilà. Donc après, vous pouvez très bien aussi le mettre à 137, ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà. Donc comme ça, tout est au même tempo. Je lance mon play. Bing. Alors, le but de faire tout ça, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir profiter des synthétiseurs VST et des effets VST qu'on peut avoir dans notre séquenceur. Ce qui fait que même si j'ai déjà bien avancé mon morceau directement sur la MPC, je peux faire des rajouts et après, soit enregistrer mes pistes audio en séparé dans Ableton pour pouvoir affiner le mixage et rajouter des VST, etc. Mais en attendant, je vais pouvoir composer sur ma MPC à partir des éléments et des plugins VST que je vais avoir dans Live. Donc après, comment on va faire ça? Ben là, c'est tout simple. Toutes mes tracks d'avant. Là, je suis sur la track 11 au niveau de la MPC parce que toutes mes tracks d'avant, bah, j'ai le reste de mon morceau. Donc, je vais aller sur le MIDI. Bah, j'y suis déjà en fait. Voilà. Là, je lui ai indiqué d'aller sur le 1A, le port 1A. Dans mon logiciel Ableton, alors il y a deux façons de faire. Soit vous dites tout simplement à Ableton de se mettre sur FW10, enfin sur ma carte son, sur le port de ma carte son, et je me mets sur le canot 1. Et donc ce qui fait, comme vous voyez, dès que j'appuie sur un de mes pads, le synthé se met en marche. De même que si je mets mon note repeat, alors je vais peut-être me mettre direct sur la. Alors ouais. Vu qu'on est sur un synthé, je vais prendre l'exemple de l'arpégiateur. Je vais mettre un son un peu plus neutre, par exemple. Voilà. Donc je retire l'arpégiateur. Hop. Je remets l'arpégiateur. Et si je me mets en lecture,
Donc, même l'arpégiateur de ma MPC est synchro. L'arpégiateur de la MPC et le logiciel vont être synchro. Tout est vraiment synchronisé. De même que si je passe sur l'autre piste, j'ai mis un deuxième plugin, l'Xpand, sur lequel j'ai mis un kit de batterie. J'ai pas mis voilà, l'indicateur. Donc pareil, en ce qui concerne l'Xpand, c'est ce que je voulais vous dire, le note repeat. Voilà, on a vraiment tout qui est synchronisé. Ce qui fait qu'en fait, une fois que vous avez tout, une fois que vous avez fait toute votre synchro, Ableton va profiter des caractéristiques MIDI de l'appareil qui le commande, c'est-à-dire si vous avez un arpégiateur ou un double arpégiateur, puisque certains synthés ont un double arpégiateur, si vous avez une surface de contrôle, pareil comme on peut voir ici, dès que je bouge, voilà, bah voilà, là, je vais reculer, je ne sais pas si vous allez voir, non, dans l'autre sens, voilà, là, j'ai mon fader de MPC et comme vous pouvez voir à l'écran, quand je bouge mon fader de MPC, mon cutoff se synchronise tout simplement parce que je lui ai affecté une valeur qui est prise en compte directement par le logiciel. Donc on peut vraiment utiliser l'intégralité de la surface de contrôle de la MPC ou de n'importe quel appareil MIDI à condition qu'on puisse le faire, puisque là sur les anciennes MPC on ne pouvait pas, mais sur la 5000 on peut se servir des 8 boutons et des 4 faders comme surface de contrôle pour contrôler les logiciels. Ça fait double emploi. Alors après il faut programmer la page. Donc ça c'est tout simple, pour ce faire il suffit d'aller dans le mode Q-Link de la MPC et ensuite par exemple le potentiomètre Q9 va agir sur la valeur 12 en fait en MIDI, et ce qui fait que moi voilà le 12 c'est ce qui me donne accès au panel de cette partie du drum kit. Donc après ça je peux les reprogrammer, hein. J'ai mis une valeur 12 parce que c'était en fait c'est quand je travaille avec Reason, mais ensuite on peut tout reprogrammer, tout retoucher, c'est vraiment nickel. Hop, voilà, là je maîtrise le release, là je maîtrise l'attaque de mon kit de batterie et là mon cutoff. Donc voilà, ça sert vraiment de surface de contrôle complète une fois que vous avez fait toutes les bonnes affectations. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois qu'on va avoir fait le tour du mode synchronisation. J'espère que ça va vous aider et que vous allez pouvoir faire évoluer encore plus vos morceaux. Donc, comme je le dis toujours, c'est pas parce que Ableton Lite est une version Lite, justement, qu'elle n'est pas capable de faire de grandes choses. Parce que moi, si on regarde les possibilités, entre ma MPC, donc déjà qui est un séquenceur 64 pistes, plus le synthé qui est à l'intérieur, puisque là, si on écoute le morceau que j'ai fait, tout ce que vous allez entendre vient directement de la MPC. C'est-à-dire qu'après, j'ai plus qu'à utiliser 2-3 VST à les rajouter pour pouvoir faire un truc vraiment patate si j'ai besoin de pistes en plus ou de sonorités que j'ai pas dans ma MPC. Donc,
Et voilà. Donc voilà pour ce petit tutoriel synchronisation. J'ai un souci de caméra. Et là, vous voyez, j'ai lancé la lecture du morceau. Mon Ableton est bien synchronisé. Donc, je vais pouvoir soit enregistrer mes pistes audio dans Ableton pour affecter des effets ou tout simplement rajouter des éléments à ma composition. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez le lien de la page YouTube avec tous vos amis qui font du son s'ils ont besoin de conseils ou de vidéos pour pouvoir avancer. Pensez à récupérer les packs Ableton, les Soundpacks MPC et les refils pour ceux qui travaillent avec Reason. Je vous dis à bientôt et au revoir.